Madame, monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre journal spécial. C'est là sur Média Haïtien en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC. Actualité à ici en Haïti a mené nous dans le département centre pays côté dans zone Mi-Balais, bandi envahi zone Sila pour une deuxième fois localité Foncheval, localité Terrier Rouge en bas gros pression dans moment n'a parlé côté et population obligée à courir quitter la caillou alors que depuis dimanche attaque ça a été faite police nationale t'a annoncé yo gain contrôle situation là te pousse bandio et t'apral gen 3 parmi malfrayo qui t'apral tombe en bas coup de balle la police et bien qui te dit information qui rive jwenn nou et bandio qui retourne dans zone nan encore en pile moun obligé à courir qui te kayo et t'a déjà gagné pour pipiti 7 moun qui victime en bas main à tout feyo dans département centre pays d'Haïti nous connaît qui c'est nouvelle destination bandio parce que dernier temps ça yo c'est la grande mode côté que gagné yon question bataille pour territoire bandi cap chercher gagner plus et territoire et bien en bas yo autorité yo mesdames et messieurs yo pas suspend envahi yon série zone qui dans le temps était paisible et bien jodi a la mesdames et messieurs direction Mi-Balais dans département centre pays d'Haïti et bien la situation compliquée en pile moun obligé à courir quitter la caillou y a demandé pour la police vinn faire yon bagay pour yo pendant autorité nan ville Mi-Balais a prend disposition mandé moun pour yo pa rete nan la rue mandé ti marchand ki nan marché yo rentrer la caillou c'est comme quoi c'est un état d'urgence qui t'a décrété là sous Mi-Balais côté toute autorité a essayé mobiliser ressources pour capable sauver ville Mi-Balais qui en bas gros et pression dans moment nous même n'a pas là mesdames et messieurs l'autre point toujours dans actualité locale là gagne paquet Port-au-Prince qui recevra ordonnance juge instructeur Walter Wissé Voltaire jeudi mercredi alors que ordonnance ça li sorti depuis lundi qui était 19 février 2024 là et bien tout réseau tout média gagne alors que paquet Potko gagne vraiment ordonnance ça nan men et bien jodi a la ordonnance là qui rive joine commissaire gouvernement et Port-au-Prince là en dedans paquet n'a parlé de maître Jean Edler Guillaume alors que gagne appel qu'a préparé pour fête gagne avocat Martine Moïseau qui était déjà prend position pour yo adresser à commissaire gouvernement pour faire appel à ordonnance parce que ordonnance là li gagne en pile faille là-dedans selon avocat Martine Moïseau, mesdames et messieurs, en tout cas, nous-mêmes, nous connaissons là, par ici, nous avons présenté, et yon passé, plus passé, une cinquantaine de monde indexé dans l'ordonnance là, parmi yon ancienne première dame Martine Moïse, ancien premier ministre Claude Joseph, pour ne citer ça seulement, eh bien, tu as indexé dans ça qui vient pour assassinat. Président Jovenel Moïse, la nuit 6 pour 7 juillet 2021. Eh bien, dans l'international, il faut que nous disions, gagne une bataille Israël et Hamas qui pas campé. Eh bien, gagne un président pays Brésil qui c'est Lula lui-même qui fout et bouche dans la cause. Eh bien, réaction Israël, li pas l'autre qui déclaré ou encore décrété citoyen ça, persona non grata. N'a parlé de Lula dans le pays Brésil qui lui-même a dirigé pays ça et dans année 2023 là donc on est c'est un deuxième mandat lui prend et comme président Brésil après il te fin et président te al prend prison et bien en bataille Israël à Hamas là là le fourre bouche qui dans cause là et bien là gagné vraiment Israël qui mandé retirer ambassade li pendant il retirer ambassade n'a pas invité rester sous la voie de l'Amérique pour plus de détails. Je sais que nous avons des grands points qui ont dominé l'actualité. Eh bien, nous connaissons que eh bien, depuis quelques jours déjà, ces gros nouvelles-là, c'est ordonnance juge Walter Wissé Voltaire qui n'a
actualité et dernier nouvelle nous fait pour là qui saute dans pays d'Haïti fait nous connaît que eh ben effectivement ordonnance là rivé à joindre M. Guillaume Naguin pour nous retourner sous les pendant ce temps gain Washington lui-même qui a annoncé nouveaux restrictions contre vol charter capé essayer faire migrants eh ben entrer aux États-Unis illégalement. Sandra Lemaire gain détail. Département d'État annonce nouveau restriction visa qui cible propriétaires responsables ak officiel replacé compagnie vol charter autobus ak compagnie transport maritime qui organise voyage pour moun kap chache migrer aux États-Unis ou façon irrégulier. Nouveau loi immigration relé Immigration Nationality Act INA est entré en application 21 février. Dans une note pour la presse, porte-parole département d'État Matthew Miller publié pour annoncer nouvelle là, il fait qu'on est nouveau politique là, aller plus loin passer politique Nicaragua 3CA qui était gain pour avec vol charter qui était gain comme destination Nicaragua que États-Unis t'ai metté en application en mois de novembre 2023. Gouvernement haïtien t'ai interdit tout vol charter qui pour Nicaragua dans mois de novembre 2023 tout en plus migrant qui t'a pour quitter Haïti à cause de la misère, avec la violence gang yo, ta prend vol sa yo de plus en plus pour yo essayer arriver aux États-Unis. Interdiction hein, t'es énervé en pile monde qui t'es fin acheter billet pour voyager et qui t'es réalisé seulement après yo t'es arrivé dans aéroport que yo pas capable partir. Imagine, regardez ça, on met pas million de dollars qui a été là. Pour Ariel, on dit qu'on peut ça pour l'année, qu'on vole sans qu'elle même ne pas dire nos avertissements. Je pense que si l'on fait pareil pour ça, l'avertir nous-mêmes, nous ne prenons pas ça, nous prenons là. Imagine, l'on dépense 3 000 dollars américains, on va juste pour 1 000 dollars poche, 4 000 dollars, ou 20 ans, ou toutes sortes de gains, et puis pour Ariel faire nous ça, qui est-ce qu'on allait faire nous ça, qui est-ce qu'on allait faire nous-mêmes, avec pile comme ça, nous gagnons dehors. Nouveau politique là ciblé précisément opération transport qui visait migrants qui plus vulnérables et qui gain comme but pour faciliter migration irrégulière sorti dans pays tout partout dans le monde là pour entrer aux États-Unis. Département d'État lancé avertissement pour dire moun qui entre États-Unis sans yo pas gagner aucune base légale pour faire ça, souvent payer tête nègre et puis mettre tête yo avec membre famille yo qui accompagne yo en danger. Résultat, c'est que États-Unis prend mesure pour déporter yo dans pays natif natal yo selon loi immigration pays États-Unis. Département d'État a dit personne pas doué faire bénéfice sous tête migrant qui vulnérable yo. Note pour la presse la fini pour dire États-Unis pral continuer prend contact avec gouvernement et puis secteur privé en dedans et en dehors région hein, pour éliminer qualité business sa yo net. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Actualité à dans pays d'Haïti, conseil pouvoir judiciaire certifié 30 magistrats et retiré 12 lots dans système justice là. Yon correspondance Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Selon Conseil supérieur pouvoir judiciaire, CSPJ, 30 magistrats qui certifient yo, parmi yo, Marie Merci Jean-Baptiste, présidente AIC ou d'appel Inch, Ahmed Alexander Dorilus, doyen tribunal civil première instance Mibalin, yon libre accès pour continuer rete travail en dans système judiciaire. 12 lots qui pas certifient yo, liés à plusieurs motifs, tant coup, absence intégrité morale, rançonnement judiciable, études académiques inachevées et agressions sexuelles. D'après CSPJ, magistrat Sayo a déjà dans le système judiciaire. Tout d'abord, procès verbal opération, certification déjà adjointe, ministre justice et sécurité publique, là, Madame Emily Prophète Milse, poursuite nécessaire. Commission technique, certification, CTC, t'a statué sous 60 dossiers, gain 18 qui beaucoup traités. 18 saillot fait objet à une enquête plus approfondie selon institution. Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci. Renan, tu as dit en commencement programme, non, gros point cap dominé actualité depuis quelques jours. MSC et soi-disant ordonnance juge Walter Wisser Voltaire sous enquête étape menée sur assassinat et président Jovenel Moïse là. Et document ça fait le tour de l'internet et nous-mêmes nous t'ai parlé et de lui. Et nous sommes établis contact là avec maître Emmanuel Gentil qui lui-même c'est avocat ancienne première dame non, Martine Moïse qui lui-même il dit le pourquoi vous voulez faire et
commenter sous document lui-même, mais finalement, il parlait avec Maître Elder Guillaume, qui c'est commissaire gouvernement, qui lui-même confirmait que finalement, il recevait document, donc document qui a couru dans l'aria, qui sans saut, sans signature, finalement, d'après sa Maître Gentil dit nous, qu'on y a dans main commissaire gouvernement. Mais en attendant, il y a une réaction qui continue à tomber. Nous allons rejoindre le correspondant de Port-au-Prince, Machado Villemé. Selon ordonnance juge instructeur Walter Wissier Voltaire, déclaration ancienne première dame nan sous assassinat ancien président Jovenel Moïse a chargé à contradiction. Côté madame nan dit li te prend 12 balles et puis l'autre côté li dit c'est 8 et pour te protéger tête li contre assassin yo si en bas cabane li te caché. Alors ce que juge la expliqué nan visite li fait nan kay la, cabane li te ou a pa gen espace même pour yon rat entre en balle. Mettez sous série déclaration de Parman Silayo, Joseph Félix Badiou, dans le cadre d'audition devant juge là, déclaré que plusieurs groupes dans l'entourage président qui voulaient accaparer le pouvoir. Monsieur cité devant juge là, il y a un groupe qui était la donne, ancienne première dame Martine Moïse, ancien premier ministre Claude Joseph, Adouin Zéphirin, ancien président chambre député Agari Bodo. Nos objectifs pour Dr. Claude Joseph te monter président, organiser élection, et puis ancienne première dame n'a pas posé candidatil pour poste président. D'après ça, nous lisons l'ordonnance juge là. Souvent pas ancien secrétaire général Palais National là, Lionel Valbouin, dans audition devant juge là, déclaré dans la nuit 5 juillet 2021, Martine Moïse est rentré dans le palais et puis broté en pile bagaille. Déménagement si là, te dirait environ 5 heures de temps. Et puis il a ajouté pour le dire, ancienne première dame l'a enterré 2 jours après assassinat du président, soit 9 juillet 2021. Pour dire, je venais pas de faire rien pour nous. Il faut qu'on ouvre le bureau président, le premier ministre Claude Joseph pour le faire conseil ministre. Et il peut faire élection dans 3 mois pour qu'on devienne président. Et puis il dit, c'est qu'on a un pouvoir. Pouvoir. Ces déclarations, ça, secrétaire général Palais National, Lionel Valbouin, ont été faites devant juge là. Nous devons dire, nous avons une lettre écrite au commissaire gouvernement Port-au-Prince, en date 19 février passé, à travers le cabinet avocat. Ancienne première dame a dénoncé ordonnance juge là. Et puis exprimer tout li sous authenticité document. Dans le style, avocat Matinyo dit rapport cap sikilia pa gen siati chich la ni sou cabinet a. Toutefois, ancienne première dame nan rappelé dans même correspondance ça que mandat juge la te get en bout bien avant ordonnance la te sorti. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Machado Villemé pour VOA Créole. Et VOA Créole t'est entré en contact avec Maître Emmanuel Gentil, qui c'est avocat, ancienne première dame, Martine Moïse. Nous avons essayé d'entrer en contact avec Madame Martine Moïse, qui lui-même, pourquoi tu voulais réagir sous ça. Et avant d'aller rejoindre Maître Gentil, qui saute pas là avec nous, qu'on y a là, nous allons entrer dans l'actualité internationale là, avec la Russie a mené en Ukraine, là, avec le conflit Israélo-Hamas, là, qui dans cette calendrier discussion et ministre Affaires étrangères, groupe G20, qui a déroulé dans Rio de Janeiro, au Brésil. Et Jean-Robert Philippe a suivi pour nous de très près. Donc, Jean-Robert Philippe, et faut dire que et rencontre Rio de Janeiro a déroulé dans un moment vraiment gagné en pile et conflit israélo-palestin israélo-arabe plutôt et guerre ukrainien et puis tout ça donc yo tout nan mit en discussion Jean-Aubert. Effectivement Jacques Lejondia et conflit a nous dit qu'on arrive dans tension diplomatique tout entre Israël avec Brésil après commentaire président brésilien a fait sous guerre que Israël a mené non et sous territoire dans territoire Gaza mais tout et objectif rencontre que secrétaire d'État américain André Blinken a participé c'est réunion c'est préparer réunion leader G20 que Brésil a accueilli mais son rencontre qui en pile suspense parce que grand pile question tout que Brésil voulait mettre dans calendrier discussion. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken trouvé le Brésil côté la participer dans sommet G20 ministre affaires étrangères. Pendant la première journée rencontre, mercredi 21 février, dans Rio de Janeiro, le ministre des Affaires étrangères a discuté de la tension mondiale avec façon pour améliorer l'organisation multilatérale en préparation avec le sommet annuel leader G20 au Brésil. Chef diplomatie a prévisé la situation mondiale là, en particulier la guerre entre la Russie et l'Ukraine et puis le conflit Israélo-Hamas là. Président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva mettait réforme gouvernance mondiale comme priorité numéro 1 dans l'agenda sommaire pendant l'IPRA chercher diminuer changement climatique à pauvreté. Mais diplomatio
optimiste avec proposition leader brésilien à cause guerre qui a continué entre la Russie et l'Ukraine, mais avec guerre israélo-hamas là dans le territoire Gaza. Représentant un pays participant, il fait qu'on ait jeudi à gagner un consensus sur nécessité pour une réforme dans les Nations Unies côté Brésil pour encourager l'expansion du Conseil de sécurité et organisation internationale. Là, une proposition qui n'est pas capable de décoller à cause de résistance pays qui gagne le pouvoir de veto. Le président Lula a critiqué les Nations Unies pour être pas arrivé à résoudre le conflit entre Israël et les Palestiniens. Ce qui est acontecendo na faixa de Gaza avec le peuple palestino não existe nenhum outro momento histórico. Sur un passé, leader brésilien a déclaré ça a passé dans le territoire Gaza avec le peuple palestinien pas comparable avec aucun autre moment dans l'histoire. En fait, ça a existé, les Hitler a décidé de tuer les juifs dans ce qui est le génocide nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. En réaction, le gouvernement israélien a publié une déclaration pour dire que le leader brésilien a trivialisé l'Holocauste pendant qu'il manquait les juifs de gars. Le ministre des Affaires étrangères israélien a convoqué l'ambassade du Brésil là, dans Jérusalem pour le reprimander. Le Brésil a rappelé l'ambassade de l'IA dans Jérusalem là, pour consultation. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et Tokarix Sergei Lavrov a croisé pour la première fois depuis qu'il a été boucanté la parole pendant la rencontre ministre des Affaires étrangères dans New Delhi. Pendant le deuxième jour de la rencontre, jeudi, les participants ont discuté sur la gouvernance mondiale. Comme nouveauté, le Brésil a proposé pour deuxième rencontre ministre des Affaires étrangères G20 déroulée en septembre pendant l'Assemblée générale des Nations Unies à New York pour continuer la discussion sur la gouvernance mondiale. Là. Tout membre des Nations Unies est invité. Le groupe G21 représente 85% du produit national brut mondial, 75% du commerce mondial et puis environ 2/3 de la population mondiale. Là. Après le Brésil, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a mis tête pour l'Argentine, côté libéral, rencontré le président argentin. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Et oui, nous retournons dans la région Moyen-Orient. Yon soldat l'armée Israël a enterré dans Golan et yon l'autre portion continue à attaquer région Gaza pendant quantité moun kap mourio a augmenté. Malgré ultimatum officiel Israël, militant Hamas toujours kembe otage. Détail mise à jour avec gentil Augustin Junior. Those against. Après États-Unis fin poser veto sur résolution suspend tiré ya ayema di 20 février 2024 là, premier ministre israélien yan Benjamin Netanyahu ak ministre finance lan Bezalel Smotrich te di madi 20 février ya Israël pa payer pour otage retourner la caillou. Yo l'autre côté, jeudi mercredi ya, yon groupe manifestant prend la ria nan Tel Aviv pour mander Israël pour démêler à libérer otage yo. Abel Khatim al Israël. Gagne pression considérable sous Israël, dans le pays ya, ak à l'étranger, pour mettre fin dans la guerre avant nous réaliser tout objectif liyo. Qui gen là-dedans, yon accord à tout prix pour la guerre otage. Nous réellement voulons réaliser yon l'autre libération. Et puis, nous parer pour aller bien loin. Mais, nous pas parer pour payer prix ya. Certainement, pas prix fou que Hamas mande nous. Signification an ki se, défaite dans l'État Israël là. Manifestant dans Tel Aviv, fait une manifestation qui pote non sorry I'm kidnapped jeudi mercredi 21 février ya pour supporter 134 otages Hamas toujours kembe dans Gaza. Yon manifestant te fait déclaration ça. Nous là pour dire pas gen rien qui pi important passer tout otage yo tourné en Israël. Pas gen rien qui pi important passer goumen pour la vie yo. Et puis nous pas quitter personne faire yo senti yo interférer ou soit emmerder israélien yo. C'est travail nous pour mener yo la caillou. Manifestant yo te mette mas otage yo et puis yo te fait tan kou yo mouri sou yon passage piéton et puis yo te marché pied à terre ak mas nan yon centre commercial pendant y'a mandé autorité yo pour yo concentrer sur retour otage yo. Alors que l'armée Israël la a entraîné nan Golan, yon territoire yo te saisi nan men la Syrie dans l'année 1967. Yon commandant dans l'armée Israël la déclaré. Message moins gagné c'est que nous parions. Dans l'attaque qui a continué dans la région Gaza, au moins 6 Palestiniens ont mouru dans une attaque aérienne Israël sous Deha.
y a un problème technique et empêche que nous finissions le travailler, reportage. Gentil Augustin Junior, sous une mise à jour, tout ça qui a passé dans la région Moyen-Orient. Et pendant ce temps, ici, aux États-Unis même, c'est élection 2024. Là, c'est élection. Oui, 2024 sont année électorale aux États-Unis. Moun kap analyse, analyse politique yo dit, t'assemble que nous tout prêts pour nous joindre yon, ça ou il en français, yon remake, yon l'autre face à face encore, Donald Trump avec Joe Biden le 5 novembre, année ça 2024. Mais pendant ce temps, gagnent plusieurs sujets qui est séparé de leader, notamment, nous sommes parlé de immigration, mais tout gagnent Alexei Navalny qui s'est pigo opposant et politique et président Rousseau Vladimir Poutine qui mourit vendredi qui saute passé là et tous les deux leaders gagnent opinion sous question ça notamment gagnent président Joe Biden qui lui-même la guerre responsabilité à sous dos président Rousseau Vladimir Poutine et demain vendredi qui vient là Washington a pour l'annoncer nouveau sanctions que États-Unis pourra le prendre contre la Russie à cause de la mort pendant ce temps gagnent ancien président républicain Donald Trump, lui-même lui dit que eh ben ça qui passé emprisonnement avec la mort Alexei Navalny, eh ben c'est même bagaille que lui-même l'a subi tout avec tout procès que il a gagné contre lui 4 au total. Donc il dit c'est presque même situation. Hein. Donc il y a face à face que en pile monde attend parce que et gagnant qui dit que son revanche que et Donald Trump parle pas, il y a des gens qui confirment que Joe Biden parle pas. Donc, il y a plusieurs, et il faut dire que opinions partagées sous question ça. Et puis, l'autre point dans l'actualité, et avocat de défense Julian Assange a fait gros plaidoyer pour bloquer extradition client Yoa aux États-Unis. Il y a une démarche qui est capable de déboucher sous gros sentence pour fondateur Wikileaks. Il y a un reportage, Serge Rodriguez. Partisan Julian Assange débarqué devant 10 Downing Street dans ville Londres, qui s'est adressé au Premier ministre britannique, yo, une façon pour réclamer libération fondateur plateforme Wikileaks là après un tribunal en Angleterre de finir des arguments pour déterminer si oui ou non yo doué par M. Assange droit pour porter en appel extradition li dans direction États-Unis côté la fait face à accusation espionnage. Souvent par un représentant gouvernement américain mandé pour la justice britannique rejeter dernière tentative fondateur plateforme Wikileaks là pour pas aller aux États-Unis. Représentant américain yo rejeté nos comme quoi, ça t'a gagné pour ouais avec machination politique. En réalité, la justice ici aux États-Unis a cherché à poser main sur M. Assange pour être publié en 2010 plus passer 700 000 documents secrets sur activités militaires et diplomatiques administration américaine, non? Et spécialement activités États-Unis dans Irak et Afghanistan. Pour bien dire, avocat défense fondateur Wikileaks a subi plusieurs défaites déjà dans l'effort pour combattre l'extradition, qui donc depuis hier mardi a essayé de convaincre deux juges dans haute cour de justice dans la capitale britannique là, que l'extradition ça a basé sous raison politique et que ça capable d'avoir une mauvaise conséquence sur l'état santé client 52 ans. Jean s'était passé hier mardi, plusieurs dizaines de partisans Julian Assange rassemblés devant haute cour de justice ville d'Ambago la pluie, de quoi pour porter soutien à Julian Assange. Kounye là, c'est la justice britannique qui doit décider si oui ou non il pourra le bail citoyen australien possibilité pour porter un appel dossier extradition aux États-Unis. Un bagage gouvernement Grande-Bretagne a été accepté depuis le mois juin 2022. Tribunal britannique là parle bien pour prendre une décision dans ce sens après plusieurs semaines et 6 ou 4 après Madame Lee, M. Assange a joint un résultat négatif sur le dossier à bon côté deux juges britanniques qui parlent pour Tekalia devant la Cour européenne pour droits humains dans l'espoir pour bloquer l'extradition dans la direction États-Unis. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Ou toujours sous VOA Creole, ou suivi un programme dans langue créole haïtienne. Nous pourrons rejoindre dans quelques secondes déclaration M. Emmanuel Gentil fait. M. Emmanuel Gentil, c'est avocat ancienne première dame Martine Moïse. Donc, on a suivi la déclaration de M. Emmanuel Gentil que nous souhaitons parler avec Konyala et qui confirmait que eh ben, M. Hilder, qui c'est lui-même, c'est commissaire gouvernement, eh ben, Hilder Guillaume, qui fait connaître que eh ben, finalement, il recevait ordonnance M. juge Walter Wessert-Voltaire. On écoute. Nous courir, écrire une lettre et nous adresser, disons, une requête, nous adresser à commissaire gouvernement
pour nous capable expliquer que premièrement nous même nous pas au courant de une telle ordonnance, yo pas signifié non, nous pas au courant de ça et ensuite nous te fait remarquer tout ordonnance nous qui a circulé sur tout réseau social yo, c'est une ordonnance qui pas gagné aucun signati magistrat là-dedans et il pas aucun sou cabinet d'instruction magistrat Walter Wisser Voltaire là-dedans. Donc pour nous-mêmes ça c'était un trac que le tayé. Mais par contre, comme nous t'ai c'était un paquet de pages, environ 122 pages, on croit que nous t'ai ouais cap circulé yo, eh ben nous-mêmes nous t'ai dit ah, on pas croit que yon moun on fausseur, t'a pral rete carrément pour te font bagaille si bien élaboré. J'en ai même lié à bien que contenu yo, nous-mêmes ça qui dit yo bien entendu, nous-mêmes c'est pas approuvé que nous approuvé. Mais là n'a pas les de élaborer, ça veut dire dans le sens que moun n'a prend temps pour l'écrire tout paquet de pages ça yo. Nous devons nous compte que les fonds probables pour que cet avant pas un faux document totalement, sauf que c'est un document qui sorti dans la rue avant même magistrat signer, avant même que magistrat scellé. Ça veut dire version officielle là avant de sortir dehors, il était gain temps et ben gain temps gain monde qui était gain causé substantiel yo nan men yo et yo même yo gaël. Donc ça prouve nous tout que cabinet magistrat pas t'a traité dossier avec tout secret que yo même yon ta supposé gagner en plus que yon te toujours kon di nou depuis l'école que l'instruction est secrète. Donc ça fait secret a pas gagner ça. Donc on te écrit et commissaire là pour nous te dire que nan Jean Posé ou a fait là. Donc ça a soulevé des questions sous question de légitimité, sous question de sérieux travail là. Donc nous te écrit magistrat, nous te écrit commissaire du gouvernement ça. Mais est-ce qu'on connaît que tout hier 19 février pas de jam gagner ça qui relait et ordonnance qui était jamais déposé dans paquet. Moi j'ai rencontré dans date et hier à savoir hier, c'était qui date encore hier, c'était 20 février. Nous rencontré commissaire là hier dans la matinée aux environs de 10-11h. Sommet Guillaume. C'est la confirmé moi. Il c'est Guillaume, il confirme même que pas gagné un tel dossier comme ça qui rivé dans paquet et que si des bon dossier comme ça, les même l'état au courant. Moi rencontré tout avec le commis parquet en chef, qui dit non, je ne suis pas au courant de tel dossier. D'ailleurs, si un tel dossier est venu, c'est sûr et certain, moi-même, je n'ai pas fait inventaire, je n'ai pas fait avec le monde qui vient remettre mon lien pour être capable de discuter avec lui et ensuite pour nous garder un après l'autre qui document qui remet et qui ne s'est pas remet. Parce que dossier n'a pas qu'à venir uniquement, c'est une ordonnance, faudrait-il que l'y accompagne de tout l'autre document. Pour nous, aujourd'hui, qui c'est 21 février, il était aux environs de midi, le nous débarquer l'autre bois. Et alors, l'homme de midi, c'est en dedans carré, commissaire gouvernement. Nous étions là depuis bon 11h et puis, mais c'est bon midi, nous en dedans. Mais le nous en dedans, moun qui était en dedans paquet, en dedans zone carré, magistrat, il n'y a pas de voulu recevoir juge de paix que nous devons avec l'IA. Nous devons constater dans le registre ou non que ordonnance magistrat, Walter Wister, Walter, là, pas de jambes déposées. Je ne voulais pas recevoir, non, tout ça. Mais comme moi, j'ai eu chance, moi, parler, et disons, à voix basse, je capable de mettre le conseil avec Yon Nagrifier, et c'est commis par un chef là, qui c'est Maître Jordan Nizamon. Il dit, Maître Gentil, si c'est pour dossier, ou t'es checké, m'y a, m'y a, c'est qu'on y a l'alvini, et ou t'es m'y a, moi, occupé, moi, pas capable de sortir. Et que c'est jodi, y a, qui c'est 21 février 2024 là, dans le matin là, que dossier ça, les mêmes, les vignes exactement avant midi. Donc, voilà la chose. Mais un dossier, mais une ordonnance qui gagne sur tout réseau social, sans le pas gagner sous, sans le pas gagner signature magistrat là-dedans, la version non officielle déjà gagne, tout le monde déjà connaît tout en temps, ordonnance là qui s'est là-dedans, nous-mêmes, comme parti, nous-mêmes, nous pas de gens connaissent ça là-dedans, et que, dossier a vraiment, c'est Jodia que le déposer en dans paquet Port-au-Prince. Donc c'était dans téléphone Maître Emmanuel Gentil qui c'est avocat ancienne première dame Martine Moïse et ancienne première dame non, Martine Moïse l'y trouvait parmi 51 moun que ordonnance a traîné devant la justice
criminel. Donc, nous avons continué à jouer une réaction sous ordonnance. Et d'après ça, M. Gentil dit nous, eh bien, ordonnance qu'on y a finalement à jouer le commissaire gouvernement, Elder Guillaume. Et nous avons essayé même d'entrer en contact avec M. Guillaume depuis même jour que le document prend la rue. Mais malheureusement, nous n'avons pas joué une réponse. Nous avons continué à chercher réaction tout. Et notamment, nous avons essayé de jouer une réaction ancienne première dame, Martine Moïse, parce que c'est un monde que. Eh bien, et ordonnance là a traîné devant la justice criminelle. Vous souvenez ou à créole, ou à suivre un programme dans langue créole haïtien et nous prenons dans le Grand Sud là, côté que question l'école là, vient tourner, y ont problème et nous prenons une mise à jour avec correspondant nous, Jean-Ernst Eliscar. Activité scolaire, y'a reprenne timidement dans ville au Caï, matin lundi 19 février 2024 là. Malgré direction départementale Sud Police Nationale là, déployé plusieurs policiers dans divers coins de la ville là en pile parents toujours gain inquiétude pour voir petit yo l'école yon parent pas de vle nous prend image li te ba raison que fèl pas voir petit li l'école les gens pays a et là l'école va ka ouvrir pour l'école là ka ouvrir là faut que moun ta gen moyen nan mais yo yo fait boîte pour voir pour petit yo. Mais Jean lié à là, est-ce que nous t'as content pour l'école là ouvri? Oui, me t'as pour l'école là t'as ouvri. Mais faut que t'as gagné non, mais non, faut que t'as gagné activité pour mon affaire, pour t'avoir les petits tout l'école. Parce que faut payer taxi, faut payer boîte, faut payer manger le matin pour manger. Est-ce que ou qu'à voir petit mon non comme ça, sans manger, sans boire, et faut payer taxi l'élève une fois je nous activité, pas gagné mouvement, pas gagné. Si pour l'école là ouvri là, c'est pour Ariel dire un mot pour l'école là ouvri, parce que c'est lui même qui kembe pays là. C'est lui qui aime le pays, qui crase le pays dans nous. Nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas boire, si nous ne pouvons pas aller à l'école. Coordonnateur Ifadesh Labelas Jean-Benicel, qui est un défenseur de la monde dans le sud, encouragé par un pour mener petit à l'école pendant le mandat de la police pour prendre responsabilité. Conseil, je ne vous passe pour servir le pays, normalement, il faut combattre l'entrée et tout. Et bagaille, ça, pour organiser l'école pour prendre. Normalement, nous demandons des gens qui ont fait la politique avec le pays. Et nous demandons des gens qui ont organisé l'administration et tout. Ils vont passer dans la zone côté de l'école. Parce que l'école n'a pas grand rien pour nous. Puis si tout le monde a l'école, on va manifester ou pas. L'école n'a pas qu'à empêcher de manifester, même bientôt, pas qu'à empêcher l'école de fonctionner pour manifestation. Et il y a un peu de policiers, nous, et puis dans divers coins. Oui, depuis hier soir, nous, la police mettait en action, elle mettait le travail. Et depuis hier soir, on a fait un pile sirène dans la ville. Et on a performé matin, nous, c'est la police qui calait presque tout établissement scolaire. C'est bien que la police a fait travail. Puisque c'est travail, la police, c'est protéger vie avec bien. Normalement, et nous d'avoir carré la police et permettre que l'école l'a ouverte timidement et nous demander pour les parents qui ne sont pas l'école qui ont ouvert. Et l'autre école devient important pour capacité de monsieur pour ouvrir votre école. Quelques écoles réouvrent Portio dans Okaï. Un mois après l'activité était paralysée dans le sud à cause du mouvement protestation. Jean-Ernst Eliscar, VOA Creole, Okaï. Et c'est avec la dernière correspondance que nous avons mis fin dans le programme aujourd'hui. Nous avons rappelé quelques grands points qui ont dominé l'actualité à gagner. Premièrement, Washington qui prend sanction contre moun qui a organisé vol charter dans le pays d'Haïti et qui permet immigrants aller entrer illégalement aux États-Unis. Et puis, d'après M. Emmanuel Gentil, qui c'est avocat ancienne première dame dans Martine Moïse, il fait connaître d'après un source officiel qui proche paquet, eh bien, commissaire gouvernement Elder Gentil t'a recevoir ordonnance juge Walter Wessel-Voltaire qui est nommé 51 mounes parmi eux ancien premier ministre Claude Joseph, ancienne première dame Martine Moïse, puis au traîner devant la justice criminelle dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Moi, c'est Jacqueline Bélisère. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Un grand merci, Gentil Augustin Junior, Jean-Robert Philippe et Fred Caïmi. Bonsoir et à demain.